Inscrit pour la première fois en 1964. C'était à ce moment-là, moi j'étais engagé au département des armes à feu à la Sûreté du Québec comme fonctionnaire. J'ai commencé à travailler le 1er novembre, puis le 2 novembre je signais ma carte. C'était la campagne de signature de carte par la CSN chez les fonctionnaires provinciaux. C'est là que je suis devenu membre. Et rapidement, je suis devenu le délégué syndical de ma section syndicale. C'était la section du ministère de la Justice de Montréal. Je travaillais au quartier général de la Sûreté du Québec. Et en 68, ils ont déménagé à Parthenay. Et on avait un journal pour la section syndicale. C'était entre autres ce qu'on avait prôné dans la Société bâtie pour l'homme et Deuxième Front, avoir des journaux locaux dans les syndicats. Et dans ce journal-là, on faisait des articles sur les différents départements de travail qu'il y avait au ministère de la Justice. C'était le journal de la Justice, le ministère du Revenu Avertissier, Transport. Et quand j'ai fait quelques articles sur la Sûreté du Québec, là, on m'a transféré au bureau d'enregistrement de Montréal, au palais de justice. Il y avait eu une fusillade dans une taverne dans Saint-Henri. Et il était sorti dans les journaux que les gens qui avaient participé à la fusillade, c'était des gens de la mafia et qui avaient un permis d'enregistrement d'armes à feu et de permis de port d'armes émis par la Sûreté du Québec. Et il laissait entendre qu'il y avait des fonctionnaires qui recevaient sûrement des pots de vin pour émettre ces permis-là. Alors, on avait fait une série d'articles là, pour démontrer que ce n'est pas les fonctionnaires qui prenaient des décisions. Nous, on commandait les enquêtes, on analysait les enquêtes, on faisait des recommandations, mais c'était l'officier de la Sûreté du Québec qui prenait la décision et que régulièrement, on recommandait de ne pas accorder de permis, et il était accordé quand même, et qu'on disait, ben, si à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient des pots de vin, c'était pas parmi les fonctionnaires, mais parmi les gradés de la Sûreté du Québec. D'où le transfert, et pour abriguer ça, on m'a donné une promotion. On avait mis sur pied dans à peu près tous les ministères de la région de Montréal des comités d'action politique, qui, eux, surveillaient ce qui se passait dans les ministères et dénonçaient, entre autres, les fonctionnaires qui servaient directement le public. Le public avait pris l'habitude de donner des pourboires. Le bureau d'enregistrement, les notaires venaient ou leurs clercs pour faire des recherches, demandaient des volumes, parce qu'on demandait des volumes à ce moment-là, et quand ils avaient été bien servis, ils laissaient les pourboires, des choses comme ça. Au ministère des Transports, c'était des gens qui allaient chercher des permis de conduire, s'ils passaient plus rapidement, des pourboires. Donc, on a
rencontrer, c'est section Saint-Cyr. Et d'ailleurs, au bureau des transports, le ministère l'avait fait, il envoyait des gens, puis qui laissaient voir, ils donnaient pour voir si le fonctionnaire acceptait, il était dans ça, le fonctionnaire était comme on le dit. Donc, on expliquait aux gens qu'ils n'avaient pas le droit et qu'il était mieux de se battre pour un meilleur salaire avec leur syndicat que d'accepter des pourboires. Donc, on a amené les fonctionnaires à changer cette mentalité-là de recevoir des cadeaux à Noël, de recevoir, parce que dans l'opinion publique, c'était ça. L'autre bataille qu'on avait donné, c'était pour les secrétaires de juges et au ministère de la Justice et les huissiers. Il est greffier parce que chaque juge avait sa secrétaire, avait son huissier puis son greffier. Sauf que quand le juge ne siégeait pas, le huissier, il allait laver l'auto, il allait tendre le gazon, la secrétaire de juge allait avec le juge faire du ski dans le nord. Donc, on a dit, là, c'est fini ça, on crée un bureau, un pôle de secrétaire et un pôle de huissier. Et dépendant des causes, vous êtes toujours au travail, puis vous êtes assigné selon les causes et non pas à un juge. Ça avait été assez rough à mener comme bataille. Pour certains, ils perdaient des privilèges, mais ça, en bout de ligne, ça a porté fruit. C'est ce genre d'action-là qui se faisait. Je suis devenu le délégué au Conseil central de Montréal. En 68, aux élections, je me suis présenté dans l'équipe de Michel Chartrand. Et on avait été élus, on était plusieurs. Donc, on militait beaucoup au Conseil central de Montréal. J'ai été responsable à la formation syndicale. J'ai oublié de dire que j'avais été pensionnaire du gouvernement à plusieurs reprises. Parce que Michel avait un abonnement à la prison. Presque d'une assemblée générale à l'autre, parce qu'on l'accusait d'outrage au tribunal. Et lui, il disait, mais on ne peut pas outrager ce qui n'est pas outrageable, mais... mais c'est ça, il était régulièrement emprisonné. Donc, étant le premier vice-président au Conseil central, c'est moi qui prenais la place. Donc, durant la loi des mesures de guerre, ben là, ça a été sur une période beaucoup plus longue que j'ai eu à présider le Conseil central de Montréal. Et c'était beaucoup sur l'organisation et aussi de faire connaître dans les syndicats par nos comités d'action politique et d'emmener les gens à ne pas accepter la loi des mesures de guerre. Parce qu'au départ, il y avait une bonne crainte, mais petit à petit à Montréal, les gens se sont remis à manifester malgré la présence de l'armée et à dénoncer l'emprisonnement des militants syndicaux. Ça s'est renversé un peu après la mort de Pierre Laporte. Puis, une fois que les frères Rose ont été arrêtés, là, on aurait dit que le vent tournait de bord. Un peu les Québécois étaient un peu comme ça, on a des héros. Et tant il y a aussi longtemps qu'ils ne réussissaient pas à les trouver, c'était des... Quand ils ont trouvé, ben là, l'image a été diabolisée énormément. Nous, ce qu'on avait emmené comme action dans nos ministères, on portait un brassard noir en signification du deuil des libertés. Et moi, je me souviens, le premier matin que je suis rentré au bureau d'enregistrement de Montréal avec mon brassard, et il y a plusieurs employés qui sont allés se plaindre à la direction du bureau d'enregistrement, et ils disaient que je les terrorisais. À ce moment-là, j'étais quand même, ça les empêchait pas de m'élire comme président de la section syndicale, mais je leur faisais peur, surtout qu'à ce moment-là, il faut dire que j'avais ce qu'ils décrivaient dans les journaux comme l'image des membres du FLQ, là, j'avais les cheveux aux épaules, la barbe. On militait beaucoup au Conseil central de Montréal. J'ai été responsable à la formation syndicale. Donc, on organisait des sessions de formation. On a mis sur pied avec
Jean-Pierre Compin et Charlotte Boisjoli de Théâtre Engrenage, qui invitait des militants des syndicats, peu importe l'allégeance syndicale, à venir suivre des cours de théâtre et à prendre la parole par le théâtre. L'objectif était, entre autres, que lors de manifestations, les gens avec des masques circulent et expliquent aux gens qui regardaient passer la manif pourquoi il y avait une manifestation, expliquer les objectifs de la manif. Et aussi, on a produit ces 3 ou 4 pièces de théâtre. C'était une façon de faire de la formation politique et en même temps, les gens devenaient des acteurs aussi dans la formation. Il y a eu 2 référendums. Un premier, qui avait à peu près, je dirais, 95-96%, si ce n'est pas plus, des sections syndicales de la région de Montréal qui étaient d'accord avec, pour demeurer fidèle à la CSN, et avec le Deuxième Front, et avec les actions politiques qui se menaient. Par contre, dans les régions et Québec, là, c'était différent. À Québec, il y avait peut-être 3-4 sections syndicales sur une vingtaine qui étaient pour demeurer affiliées. On a quand même remporté le premier référendum par une assez bonne majorité. Et c'est après, en 72, qu'il y a eu le deuxième référendum. Et là, cette fois-là, ben, c'est plus Brûlé qui était président. C'était Adrien Lévy. Et là, ça a été clair. Il était contre l'affiliation. On pense qu'il y a eu beaucoup de nouveaux membres qui ont voté. Membres qu'on n'a jamais vus après. Je suis demeuré au syndicat des fonctionnaires provinciaux comme conseiller syndical. Des représentants régionaux. Même si le syndicat national a fait campagne contre moi au niveau de la région, les gens de la région m'avaient élu comme représentant régional. Et je suis demeuré là jusqu'en 1976. En 1976, j'ai quitté le syndicat des fonctionnaires pour aller faire mon cours en droit à l'UQAM. Dernière année que j'étais à Montréal, je m'occupais du sommet populaire. Donc, avec les groupes populaires, on avait des fronts de lutte, la santé, mais après que le sommet populaire a eu lieu, au Conseil central de Montréal, ils ont maintenu la structure de front de lutte. Montréal ont toujours gardé un poste de conseiller syndical au front de lutte, aux différents fronts de lutte. Alors que dans les autres conseils centraux, ça ne s'est pas fait. Mais il reste que dans ces années-là, quand j'étais au Conseil central, il y a eu des comités d'action politique ont créé dans plusieurs. On a créé dans différents quartiers. On a mis sur pied des comités de locataires avec Pierre Jouvet. Les ACEF avec André Lorrain, ils étaient dans le même édifice au milieu de Saint-Denis que le Conseil central. Donc, ça travaillait. La mise sur pied des coupris, Québec Presse, ça s'est fait par les comités d'action politique. Parce que disons qu'au départ, mettre sur pied une coopérative d'information, ça n'a pas été facile. D'abord parce que ça prenait beaucoup d'argent. Et Michel Chartrand était là. Michel, quand il décidait de faire un discours pour en faveur d'une chose, il réussissait généralement à convaincre. Mais c'était un peu, cette action-là, c'est qu'en même temps, c'est que Michel, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de l'information et de la formation. Il voulait que le débat soit ancré autant dans les syndicats que dans le mouvement. Pour ça, d'ailleurs, qu'à la formation, ce qu'on faisait au Conseil central de Montréal, on faisait des sessions de formation à partir de Société Bâti-Forum et à partir du Deuxième Front. Et je me souviens d'un syndicat de Kroger, d'où est Michel Gauthier d'ailleurs, qui était secrétaire général de la CSN. À ce moment-là, il était dans une union
américaine. Et il voulait s'en venir à Saint-Saëns, il parlait, on avait des poteaux, puis derrière un maraudage qui se faisait. Et avec Michel Chartrand, on était allé rencontrer les poteaux. Et Michel avait regardé leur convention collective, puis il avait dit, vous ne négocierez pas mieux que ça, là. Vous allez avoir à peu près l'équivalent. Puis là, il avait donné le deuxième fond, lisez ça. Si vous êtes d'accord avec ça, vous viendrez. Ils sont venus. À cause du deuxième front. Et Michel, ce qu'il prônait, entre autres, c'était ça. Il faut organiser les syndicats sur le deuxième front, sur ça, c'était bâti pour l'homme, pour les amener à ouvrir les luttes syndicales et amener la population dans ça. À la CSN. Quand un président vient d'un conseil central, c'est différent que quand un président vient d'une fédération. Les tourneaux viennent du conseil central. Et on voit qu'il reprend un peu le discours, il reprend Société bâtie pour l'homme, deuxième front, il remet l'action politique de l'avant. Jusqu'à quel point il va être suivi, on verra, mais moi, encore dernièrement, je parlais des conseillers syndicaux, puis pour eux autres, la première action, puis c'est la négociation, l'organisation de syndicats, puis la négociation. Je pense qu'il y a une bonne résistance moi, de la part des conseillers syndicaux, qui sont maintenant des techniciens. Dans les années 70, beaucoup dans les comités d'action politique, dans les groupes, tu retrouvais des conseillers syndicaux. Là, maintenant, tu n'es pas plus. Ils travaillent 7 jours semaine, pratiquement. Puis c'est moi, quand j'ai été à la Fédération nationale des enseignants, des fois, j'avais 13-14 négociations de front dans les écoles privées, les chargés de cours d'université, tout ça. Pas le temps de faire la chose en dehors de ça. Non. Donc, c'est la charge de travail beaucoup des conseillers, faire en sorte qu'ils n'ont pas le temps de militer dans ça, puis d'organiser ça dans leur syndicat. Quand tu vois une assemblée de syndicats, ils discutent de la négociation. Il y a eu aussi beaucoup de divisions à un moment donné entre les groupes populaires et les syndicats. Parce que je donne comme exemple le Front Transport. Il y avait les groupes qui se battaient pour l'amélioration du transport en commun, le développement du transport en commun, et qui étaient contre les hausses de tarifs. Mais arrivaient les syndicats, puis eux autres, à un moment donné, ils faisaient une grève. Alors là, ils ne recevaient pas l'appui des groupes populaires. Ils avaient des gros salaires, puis ils n'avaient pas d'affaires à priver les travailleurs, les non-syndiqués dans leur moyen de transport. Moi, je me souviens, les années 70, quand il y avait une grosse grève, il s'organisait des spectacles. Et on faisait venir des chanteurs engagés, des artistes engagés pour attirer le monde. T'sais. Maintenant, ils vont faire venir des artistes populaires pour attirer du monde, pour avoir du financement pour la grève, mais pas pour conscientiser. Ça fait une grosse différence. Et les gens, moi, ce qu'on m'avait dit au Conseil central, ils m'avaient dit « Pourquoi ne faites pas venir un tel? » Oui, mais le monde, ils veulent s'amuser. Donc, c'est qu'il s'est perdu un aspect de la militance qui est comme, pas une vocation, mais qui est plus de dire « On est là pour régler les problèmes. » Donc, on va maintenant, ils militent le temps de la négociation conventionnelle. Et je serais par contre curieux de voir souvent de ces gens-là qui vont militer dans des groupes populaires, ils vont faire du bénévolat à certains endroits, ou ils vont militer dans les ASF, ils vont aller militer au Fraprix, mais ils ne militeront pas dans leur syndicat. Ils ne font plus le lien entre leurs conditions de travail et les conditions. C'était ça le discours de Marcel Fabre. C'est que
Oui, c'est important la négociation de la convention collective, mais c'est pas ça qui va régler vos problèmes d'endettement, c'est pas ça qui va régler vos problèmes de logement, c'est pas ça qui va régler le problème des assistés sociaux ou du chômage. Donc, il faut aller ailleurs. Et je pense qu'il faut recommencer. Quelle formule prendre, je ne sais pas, mais recommencer par une véritable économie. Et il faudrait peut-être que le mouvement syndical commence à regarder ce que les jeunes veulent avoir. Mais c'est. Je dirais que c'est difficile à tirer. Parce que longtemps, on a eu la perception, puis moi-même, je l'ai eu, que les jeunes n'étaient pas intéressés. Donc, on dirait que les jeunes ne sont pas politisés. Pourvu qu'ils ont leur jeu vidéo, puis ils veulent avoir leur ordinateur, leur tablette et tout ça, et le reste, ça ne les intéresse pas. Ça a été de les voir sortir dans la rue comme ça, je pense à dépasser tout le monde. Il n'y a pas personne qui a vu venir ça. Là. Même de voir l'unité des trois organisations étudiantes, parce que les cégeps, puis la classe, puis la FEUC, ça, idéologiquement, c'était très, très différent. Et il y a eu une unité qui s'est faite que personne n'avait oublié. C'est peut-être un front commun chez les étudiants, comme ça m'a fait tout en 72. Dans les négociations du secteur public. J'espère que ce qui a été soulevé par les étudiants l'an passé, que ça va. Ça ne mourra pas comme ça. Le PQ sert un peu d'éteignoir actuellement là-dessus. Il va falloir que le mouvement syndical crée des liens plus profonds. Avec les autres que juste du financement. Et je pense qu'il faudrait que le mouvement syndical recommence à faire ce qui se faisait dans le temps. Dans le temps, le Conseil central de Montréal, on faisait venir André Lavin à l'Assemblée générale, on faisait venir Gouvin pour nous parler des problèmes des locataires, faisait venir ces gens-là pour parler des problèmes. Je me souviens, là, quand je travaillais au département des armes à feu, là, il y avait, entre autres, la manifestation de la presse. Les fonctionnaires, ils partaient, puis ils s'en venaient. On prenait l'autobus en face pour s'en aller à la manif, puis t'avais l'autobus des flics en arrière. Puis les autres s'en allaient pour matraquer les manifestants. Alors, ils voyaient, puis le monde, il venait pareil. Il embarquait dans l'autobus, puis il venait aux manifestations. La phrase que je déteste le plus actuellement, c'est... il faut une solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est le discours qui me fait lever. Comme si ce qu'on a fait n'était pas une solidarité intergénérationnelle. L'assurance maladie, l'assurance automobile, l'assurance santé, l'éducation gratuite. Ça, on l'a fait pour nous autres, on l'a fait pour nos enfants, on l'a fait pour ceux qui s'en viennent. Et là, ils disent, la solidarité intergénérationnelle, c'est comme s'ils disaient, vous nous laissez des dettes, vous nous laissez des taxes, vous nous laissez des impôts. C'est un discours CAC, pas mal. Puis on commence à l'entendre dans certains syndicats. Tu sais, la solidarité intergénérationnelle, on a mis du temps, puis on a mis des énergies. On a mis, ou si on a payé des taxes, on a payé des impôts, puis on continue à en payer. Et là, la solidarité est devenue la solidarité. D'abord, de parler de ces choses-là ou dans leur famille aussi. Parce que souvent, ce qu'on entend chez les jeunes, on leur demande « Connaissez-vous une telle? Savez-vous que c'est quoi cet événement-là? » Ça ne s'est pas transmis. Donc, il faut qu'ils transmettent ce qui se passe, il faut qu'ils transmettent ce qu'ils apprennent.
C'est par la transmission des connaissances que tu fais en sorte que les gens vont se mobiliser quelque part. Moi, je pense que ça passe par la formation, ça se passe. Il y en a qui vont dire que c'est dans le doctrinement, c'est. Mais ça ne peut pas procéder. Puis quand ils vont dans un instant, quand ils vont au Conseil confédéral de la CSN, quand ils vont au congrès de la CSN, ils entendent parler beaucoup de problèmes sociaux. Il faut que ça redescende dans les syndicats. Pas une semaine de vacances qu'ils prennent au congrès. Probablement que je pourrais oui, visiter. Mais sûrement pas comme ça. Là. Moi, j'ai mis un 15 amendement du temps, mais pas à plein temps. D'abord parce que je suis pas sûr que je serais bien vu. Parce que même quand j'étais jeune, les vieux papes,